Nations Unies, CARICOM, le corps groupe, mettez-nous dehors dans le pays. C'est ça. Non? Est-ce que nous avons quitté effectivement, nous avons déployé une stratégie? Dans le temps de l'esclavage, nous avons venu à bateau, nous prendre nous. Pour nous, nous avons nous-mêmes acheter des tickets avec l'argent pour nous mettre nous. Pendant que nous avons planifié pour le pays. Il a fait nous couilles qui te payent, nous même y a pas acheté terre. Il a fait nous couilles qui te payent, nous même y a fait diriger pour prendre contrôle pays. Il a fait nous couilles qui te payent, pendant que nous même y a pas agissé, y a pas organisé comment puis prendre contrôle pays. Eh bien c'est peut-être ça nous dit aujourd'hui. Nous lançons mobilisation côté nous dit Haïti avec diaspora doit unir. Nous devons unir. Pendant la diaspora bataille côté PAL, nous-mêmes en Haïti, nous devons goûter bon côté PAL, mais avec un seul objectif pour nous débarrasser du pays de assassins, de criminels notoires. Nous avons des assassins notoires. Nous avons des criminels tête chargée qui contrôlent la police, qui contrôlent le ministère intérieur, qui contrôlent le ministère de la justice et qui contrôlent le CSPN. Mais ça qui explique que bandit gagne autant d'autorité, autant de capacité. Partez-nous bien, messieurs, dames. Messieurs, dames, la presse parle, la presse écrit qu'il a. C'est pas capable, la police pas capable de gourmer avec bandit. Mais c'est parce que c'est chef bandit qui contrôle tout ghetto côté pour la police à gourmer. Ça veut dire que le chef gang a plus d'autorité que les policiers. Et c'est ça qui explique ça. Ariel Henry fait partie d'un trio criminel qui a invité l'homme, qui a Félix Badjo, c'est une femme rectangle, Ariel Henry, Badjo sous-côté, invité l'homme, nous bon, Ariel dans la flèche là. Et c'est ça qui explique force, autorité, puissance, nous, les chefs de gang. Mais ça qui fait nous mal, ça qui fait qui va nous inquiéter maintenant. Pour le moment, nous très inquiétés. Nous inquiétés pour qui ça? Parce que nous venons découvrir véritable état-major gang yo, yo prend contrôle institution pays. Yo prend contrôle la police. Yo prend France LB, c'est ancien. France LB, c'est ancien coordonnateur fantôme 609. Et il y a un monde que les criminels ont été contactés pour te mettre des armes, pour te faire des armes avec munitions pour tuer Jovenel Moïse. Je dis à ce France LB ça, qui est directeur général de la police nationale d'Haïti. Comment pour la police de force maintenant, pour le coup de les chefs de police là ont des rapports étroits avec les chefs de gang. Je dis à qui est-ce qui chef en dans primature? N'est-ce qui chef en dans primature? C'est Yonek Yorele Ariel Henry, un ancien soi-disant adventiste, qui vient premier ministre. Et puis, une institution prestigieuse, d'un coup, la DCPJ, qui c'est la police centrale judiciaire, pour un rapport sur l'assassinat de Jovenel Moïse, qui établit que M. Ariel Henry est bel et bien participer non seulement dans la planification assassinat, mais financer assassinat. Je dis à c'est Ariel Henry ça qui est dans le primature. Je dis à Ougéry Capierre, qui est dans le ministère de planification et coopération externe, impliqué dans mettre en place Fantôme 609. Vous gagnez un ensemble d'autorités qui est là pour renforcer la police. Pourtant, c'est eux qui chef qui gagne. Comment vous comprenez? Pour Ariel Henry faire des marches, pour Kenya, alors pas Ariel Henry, pour nous bien dire. Et Madame Simpson, ancienne ambassadrice américaine en Haïti, qui allait au Kenya, qui a demandé Kenya, qui a demandé chef Kenya, pour faire pression sur eux, pour prendre tête contrôle. Il y a une force multinationale en Haïti. Mais même ambassade, même Américain, ça, pour aller faire sortir, ils ont communiqué
dans la date 27 juillet 2023. L'IPRAL dit à ressortissant canadien, ressortissant américain, puis au parle Kenya. Motif pour qui ça? Gouvernement américain ne parle les citoyens dans le Kenya. Parce que Kenya a un régime en place, il y a l'armée qui mélange avec la police, qui n'a effectif 101 000 soldats et policiers. Gouvernement Kenya n'a pas payé. De ce fait, policiers kenyans, soldats kenyans, ils ont la tête coyo dans le kidnapping, dans l'enlèvement, dans le trafic d'organes, dans la corruption. Ça veut dire aujourd'hui, pendant que ISO, pendant que la pluie, pendant que la mort sans jour, pas professionnel, qui a fait kidnapping, la police pas qu'à contrôler, Américains décidé à chercher des kidnappeurs professionnels pour venir renforcer le kidnapping que nous avons en Haïti. C'est de ça qu'il s'agit et c'est ça qu'on a dénoncé. C'est ça qu'on a dénoncé. On a dénoncé un complot. Côté nous au courant, l'équipe Kenya qui a fait là, il a pas pu faire l'autre bagaille. Un, il a pu faire trafic d'organes. Il a pu faire kidnapping, il a pu faire enlèvement. Parce que le pays qui a un minimum de sécurité, pas qu'il n'y ait pas de voilà qu'il y a un pays vulnérable. Ça, c'est vous. Deuxièmement, question maladie, Ebola. Si nous voulons faire génocide à travers Ebola, si nous avons 15 soldats Ebola, si nous avons 15 soldats kenyans qui subissent maladie Ebola, il est possible pour 15 soldats kenyans seulement, bah nous prenons 200 à 300 000 morts. Alors que la situation sanitaire n'est pas bonne, nous n'avons pas de médecins, nous n'avons pas d'hôpital qui pour répondre à ça. Ça veut dire que nous prenons un complot international. Et le complot international, là, c'est les Nations Unies même. Avec la CARICOM, le corps groupe qui a coordonné un complot néfaste pour le peuple haïtien. Ils voulaient à tout prix pour disparaître le peuple haïtien. Ils ont demandé, dans le premier temps, ils ont demandé 400 millions de dollars pour cortège force multinationale. Je dis à passer de 400 à 600 millions. Pourtant, si on a une police nationale, avec l'armée à minimum 200 millions à 300 millions de dollars, comme ça, vous pouvez payer Kenya. La police, l'armée d'Haïti, mettez avec Bessap, dans une force conjointe. Une moto squad, vous êtes capable de rétablir la sécurité dans un mois à 6 mois, nous pouvons rétablir la fin de pays. Pour qui ça nous dit ça? C'est parce que chaque fois la police prend un militaire dans l'opération, l'opération finit bien. L'ambassade américaine fâchée. Ça veut dire qu'il y a un intérêt, problème. Yo. Il va nous résoudre le problème de la caille parce que la crise de la caille vient pour nos systèmes et mes systèmes ça vient permettre les Nations Unies, la CARICOM, le corps groupe, de créer une opportunité à travers la crise noire. La crise noire, c'est une opportunité pour eux. Côté nous-mêmes, nous avons mais nous-mêmes, nous bénéficié de la crise noire en opportunité. Et c'est pour ça que nous vivons là. Nous venons dénoncer, nous dire que cette diaspora, que la diaspora unie, Haïti unie, organisation, nous tous ensemble, nous unis tête nous, pour nous dénoncer Madame Elisabeth Salvador, qui vient en Haïti pour venir pénaliser, pour venir pénaliser le crime, pour venir renforcer la gang. Et de pouvoir renforcer Ariel Henry, c'est un choix fait pour renforcer la gang dans le pays. Et c'est pour ça que nous venons là, nous disons avant Ariel Henry et v'le plavé, faut qu'Ariel Henry allez. Merci. Bonjour Jean-Marc, qui est ça, premier monde nous a arrêté. C'est un bon pas. C'est un bon pas dans une bonne direction. Mais nous étions 96 autres pas pour faire. Parce que à travers le tribunal fédéral Floride, il fait 3 bon pas. À travers, il même il fait 3, la justice haïtienne ne s'y font pas. Nous ne prétendons pas parce que c'est ça pour juger. Alors que l'autre 3 mounio, aux États-Unis, ils plaident coupables. Nous même ça nous certains. Quel que soit le monde qui participait à l'assassinat de Jovenel Moïse, depuis qu'il a arrêté, c'est un gros pas dans votre direction. Merci. Mais comment vous comprenez l'extradition vers les États-Unis? Bon, l'extradition vers les États-Unis, c'est une sorte d'avilissement pour la justice haïtienne, parce qu'elle mettait dans l'état pour montrer qu'il n'est pas à la hauteur de mission que vous baille justice là. Mais ce n'est pas justice en lui-même qui va à la hauteur, mais ce sont les individus, les personnalités que vous nommez
en d'appareil justice là qui pas des colonnes vertébrales qui pas connaît et ça relé sacerdoce qui pas connaît ça relé l'a choisi à le juge pour choisir pour pas millionnaire l'a choisi professeur son choix fait pour pas millionnaire l'a choisi policier son choix fait pour servir l'a choisi vin militaire son choix fait pour servir pays mais malheureusement aujourd'hui n'est qu'un d'appareil justice tout rêve yo fait dormi pauvre lever millionnaire. Et c'est ça qui crase le système judiciaire qui permet chaque moun arrêté dans le cas de Jovenel Moïse d'obliger extrader. Maintenant, nous avons la prière pour un jour pour que la justice mette la hauteur pour permettre que définitivement nous capables de pays qui commence à juger citoyen. Parce que c'est plus mauvais bagaille, le pays pas de justice. Parce que la Bible dit, c'est malheur aux nations. Une nation maudit, la justice s'élève une nation. Et pour pays pas de justice, son pays qui maudit, son pays qui a appelé à disparaître. Et le résultat n'a bénéficié là, c'est l'impunité qui n'a bénéficié. Mais nous n'avons pas de choix. Son combat lié, son bataille lié, c'est continuer pour nous continuer à boumer. Mais seul bagage me dit tout le monde à la ronde badère. Nous n'avons pas besoin de quitter nous. Jovenel Moïse a besoin de justice. Et on ne peut pas quitter l'autre monde qui doit jouer justice. Tant qu'on est un professeur, mon frère d'Oval. Et tant d'autres. Ça veut dire, son combat pour nous mener. Combat, ce n'est pas moi qui viens de camper là, je parle, puis l'autre pour être capable de garder. Comme c'est ça, ma fille. C'est nous tous ensemble qui concernés. Parce que je dis à ces Doval, je dis à ces Jovenel, je dis à ces Leti, je dis à ces Tel. Et demain, qui est-ce? Faut poser tête tout demain, qui moun la pied. Et ça qui est grave, je dis à l'autre, l'on est volé à fort, ou courir, il était couru. Je dis à les voler à voler, ou c'est ou courir pour lui. Faut nous retourner à temps passé. Pour ne pas dire qu'il doit voler. Je ne dis pas pour pas voler, même les gens volent, ils volent, c'est pour courir. Et pas moi pour courir. Aujourd'hui, c'est Gary, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux ministre. C'est vous les ministres, c'est vous les premiers ministres, c'est vous les ministres, c'est vous les politiques. Ça veut dire qu'on combat pour nous mener, pour nous capables de dégastériser l'État, pour nous dégastériser l'institution, pour nous batailler pour la moralisation de nos institutions, pour les nous, citoyens, capteurs dans nos institutions d'État, pour nous respecter comme de grands citoyens. Isabelle Salvador, si c'était une dans notre pays d'Afrique, qui va l'assassiner pour une déclaration comme ça, pour dire aux criminels le droit, tant qu'Ariel, c'est lui-même qui pourra organiser l'élection pour qu'elle mette un chef gang en dedans pour moi. Maria Isabelle Salvador, lui montrer, lui-même avec madame Hélène Lalim, pas de différence. Nous connaissons Hélène. Il te dit, c'est bien le fait que gang yo fédéré. Maintenant, nous là pour que nous disions, peuple haïtien, destin, c'est dans le même lié. Criminel ça yo qui sont dans l'ONU, ce n'est pas eux-mêmes qui viennent résoudre le problème pour nous. C'est nous-mêmes qui pouvons mettre nous ensemble pour que nous préparions le soulèvement. Tout le monde connaît le gouvernement Ariel là, son gouvernement qui dans ses connaît avec gang en dans le pays. C'est une raison, ensemble des criminels, Nations Unies, Canada, États-Unis, sanctionnés, et Mounsayo, ils ont plus de 2 à 3 mois, ils ont plein dans le pays, pas aucune action justice contre eux-mêmes. Là, nous avons un monde comme Alfredo Antoine, si tu as une justice, vous êtes supposé en bas de déjà, parce que c'est un monde qui participe dans un pile acte malhonnête dans le pays. Lorsque il est candidat, nous avons une grosse manifestation devant Vision 2000, puis nous avons dit non, on vole comme ça, pas de candidat pour député. Je dis, nous sommes ensemble, de monde qui a dirigé nous, nous avons dit voler, c'est kidnapper. C'est une raison, nous disons nous-mêmes, dans le cri national, nous déclarons Maria Isabelle Salvador persona non grata. Si c'était dans pays d'Afrique, l'autre pays d'Afrique, il va jamais aider pour que tu pour ça. De même pour l'ambassade de France, l'ambassade du Canada, États-Unis, réaction que vous avez dans le pays, il y a supporté un criminel de Ariel, pays d'Afrique, il va tolérer ça dans eux-mêmes. Les nouveaux pays dans le Niger, l'ambassade de France, vous mettez le déjeuner là-dedans parce que c'est une ambassade impérialiste qui a tout visite pays qui pauvre. Nous-mêmes, je dis, nous demandons, peuple haïtien,
pour que nous fassions une chaîne de solidarité. Je dis à quel que soit le monde qui croit dans le changement de pays, de pour faire un monde qui a distribué des armes par les bandits, de pour faire un monde qui n'a pas participé à la corruption, nous demandons pour que nous mettions ensemble. Nous demandons pour que nous fassions une chaîne de solidarité. Je dis à si nous avons ces plans qui ont fini pour résoudre le problème pour nous-mêmes, puis d'être triste pour nous-mêmes. Lorsque nous prenons Ariel Henry, s'il fait élection en d'un pays, qui est-ce qui va le pouvoir? Tout le monde connaît son chef gang qui va le faire. Je dis à nous, nous avons des gens, deux à trois ans de cela, nous avons des manifestations contre Jovenel. Ils n'ont pas d'accord avec l'élection. Jovenel d'avoir organisé. Je dis à nous, nous avons des avec Ariel. Et ils ont même à faire publicité pour ceux qui ont dirigé le conseil électoral. Les gens qui ont pas l'autre, c'est des gens. Côté pays a pas besoin yo. C'est des gens qui collaborent avec Bandi. Donc, peuple haïtien, m'a parlé de tout le monde qui est dans le pays, à travers toute la République, pour que nous mettions ensemble, pour que nous fassions une chaîne de solidarité. Monde dans la diaspora, la bataille n'a pas fait sans nous. La bataille doit être faite avec nous. C'est une chaîne de solidarité pour nous faire. Pour nous comment nous allons retirer Haïti dans sa salle aujourd'hui. La profiter pour que nous saluions la presse qui est avec nous. La presse toujours campée pour côté population. Si pas de la presse, je dis, nous ne sommes pas qui s'est passé dans le pays. Peuple haïtien, ensemble des volets, criminels, corrupteurs, Mounio, la France, États-Unis, Canada, Nations Unies, sanctionnés. Nous n'avons pas besoin de peur parce que Haïti gagne pour quel gros état de droit. Haïti gagne pour diriger par des gens qui sont honnêtes, volés, criminels, ils ont même gagné pour qu'ils aillent en prison pour acte malhonnête au gouvernement dans le pays. Haïti va périr. Et je dis à nous, dit les policiers, depuis mercredi passé, nous voyons manifester un comportement très positif envers nous. Et la police, pas oublier que nous-mêmes, nous sommes des victimes. Nous victimes des criminels, des organisations ou bien organisations politiques de PHTK. Nous victimes des gouvernements malfaisants Ariel. Je dis à nous, comment Bandido prend nous comme cible. Je dis à nous-mêmes de nous concerner. Nous avons besoin pour que nous mettions nous tout bon vrai bon côté population. Et la police. Nous pouvons, si c'était pour policier ça, les combats sont finis. Et on partit de police là. Et c'est eux-mêmes qui causent, je dis à peu haïtien, la passe de misère comme ça. À chaque fois, manifestation est faite, quand il y a une vingtaine de monde rassemblés, c'est gaz, c'est coup de pied. Mais je dis à l'équipe policier ça, eux-mêmes comprennent la réalité, ils mettent au bon côté de la population. Nous demandons, votre la police, en général, eux-mêmes tout, pour que vous organisez, pour que vous retirez mauvais crimes qui vont côté. Parce qu'il y a pile mauvais crimes qui sont dans la police là. C'est des gens qui ont capturé pour Ariel, c'est des gens qui ont empêché la manifestation faite pour Ariel. Donc que nous-mêmes, nous on est pour que la police soit présente dans ce conseil. Pour l'autre point encore, peuple haïtien, nous disons, les sources sont dans mon lien, pour que nous organisons. Pour nous débarrasser nous des équipes malfaisantes, des équipes criminelles. Je dis à tout le monde, ouais, raison qui fait pays à l'Inaïta, c'est parce que ensemble des députés et sénateurs qui étaient mis en terre, nous, 99% de la c'est gang qui ont été. Donc, pour yo, je dis à tout le monde, je ton côté, et qui parti politique qui a la CDF, fait alliance avec vous. Fait alliance avec criminels, ça yo, criminels. Yo même qui te mette nous dans sa vie aujourd'hui. Peuple haïtien, en nous, organisez-nous pour que nous préparions ce terrain. Merci.